Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Julien Marzano, guitariste pour les groupes Scian et Exanimis, et également prof de guitare à la Music Academy internationale de Nancy et prof en cours individuel. Je mets d'ailleurs quelques cours à disposition sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y jeter un œil et si le contenu vous plaît, eh ben abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vais vous parler un peu de cette guitare 8 cordes fabriquée à ma demande par les luthiers Michel et Logan Berda. Pourquoi une 8 cordes? Pourquoi être passé par un luthier? Quelles étaient mes contraintes et mes demandes particulières pour un tel instrument? Quelles sont les petites fonctionnalités cachées aussi de cette guitare? Je vais répondre aux questions qu'on m'a posées aussi dans la vidéo précédente, la première vidéo où je présentais la bête. Donc comment est-ce qu'on accorde un tel instrument? Est-ce que c'est facile de passer de 6 à 8 cordes? La prise jack située à l'arrière, est-ce que c'est un design intéressant? Est-ce que c'est bien ou pas? Pourquoi 27 frettes aussi? C'est un truc un peu bizarre. Et enfin, une question qu'on m'a évidemment beaucoup posée, bah, quel est le tarif pour un tel instrument? Bah, je vais y répondre aussi. Alors déjà, pourquoi une 8 cordes? À titre personnel, j'avais envie d'incorporer dans ma musique, et notamment avec Scian, une sonorité plus moderne, avec des riffs bien lourds, grâce aux cordes graves. Tout en gardant la possibilité de pouvoir faire des solos et créer des ambiances avec le registre aigu de la guitare. Pour l'instant, moi je vois vraiment la 8 cordes comme une guitare 6 cordes, avec un bonus de 2 cordes supplémentaires qui me permettent d'envoyer du gras, quand j'ai envie, vraiment. Pourquoi je suis passé par guitare Berda, et enfin, pourquoi une guitare de luthier, finalement? Il se trouve que quand on parle d'une guitare 8 cordes, dans le commerce, on a le choix entre des guitares à environ 500 euros, où ben, il faut changer les micros, changer les mécaniques, c'est sans fan fret, les guitares, elles sont pas forcément stables, les frettes, elles sont pas nivelées, bref, il y a vraiment du boulot dessus. Puis alors souvent, moi je trouve qu'esthétiquement, c'est pas des guitares très, très jojo. Ou alors on tape dans du haut de gamme, ça vaut 3 000 $, et ben même là, perso, j'y trouve toujours pas mon compte en termes de configuration de micro, multiscale ou même en termes d'esthétique. Et donc j'avais comme option bah, la guitare de luthier. Moi j'en ai parlé avec Logan Berda, qui est un ami, hein, et il m'a proposé de travailler sur un modèle personnalisé. Alors, Michel Berda et surtout son fils Logan, je les connais depuis un moment, et j'avais déjà eu l'occasion d'essayer d'autres guitares qui sortent de leur atelier, des guitares électriques hein, notamment, j'ai pas testé d'acoustique de chez eux, mais ils en font des très belles d'ailleurs aussi. Pour info, Logan, c'est aussi un ancien élève de la Music Academy internationale, où je travaille maintenant d'ailleurs, c'est rigolo, et c'est aussi lui qui a réalisé les masques et les costumes de mon groupe Exanimis. D'après le design de l'illustrateur Loïc Musy. Ça pour dire, Logan, c'est vraiment quelqu'un qui touche à tout, et il laisse jamais rien d'approximatif ou de grossièrement fait dans son travail. C'est un vrai perfectionniste. Hein. Et il a tout de suite compris le niveau d'exigence que j'ai pour un instrument de musique. Et moi, je recherche dans un instrument la stabilité, une tenue d'accordage impeccable et un confort de jeu. Ah, le son est évidemment une composante hyper importante. Hein. Enfin, je cherche quelque chose de facile à comprendre et à utiliser, c'est-à-dire dont la maintenance elle est vraiment pas compliquée, une configuration et une électronique simple. Enfin, une électronique passive, hein, c'est un micro Lundgren M8, hein, la même qui équipe les micros, qui équipe les guitares signature Meshuggah. Enfin, pourquoi une guitare sans tête? Faut savoir qu'en fait, je suis pas spécialement fan des guitares sans tête à la base, c'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur une guitare sans tête. Ça déséquilibre un petit peu la forme, l'harmonie générale de l'esthétique de la guitare. Et puis en plus, une tête de guitare, c'est assez identitaire. C'est-à-dire que quand on voit de loin un concert, on regarde un truc comme ça, un guitariste, on le regarde de loin, on sait quelle guitare il utilise ou quelle marque il utilise, rien qu'à la tête de la guitare. Et là, bah forcément, on l'a pas trop. Mais quand on parle d'une 8 cordes, ça implique d'avoir une très grosse tête pour accueillir les 8 mécaniques, hein, et une tête lourde, ce qui risque de déséquilibrer la guitare et d'avoir une guitare avec le manche qui dive comme ça. Alors bon, c'est pas idéal. D'autant plus quand on a autant de cordes et qu'on attaque un peu comme un bourrin. On dirait pas, mais en fait j'attaque un petit peu quand même, je suis plutôt relax de la main droite, mais mine de rien j'ai quand même un peu d'attaque. Quand on a beaucoup de cordes derrière le sillet de tête, on a un risque de bruit parasite, ouais, puisque les cordes vont résonner derrière le sillet de tête. Donc le choix de la headless est venu de là, et puis en plus, je trouve que là, le design et la forme, elle est vraiment, enfin, c'est vraiment très réussi, quoi. Et on a en plus une petite guitare, ce qui pour moi est très bien parce que je suis pas un grand gabarit, donc je suis pas planqué derrière une énorme guitare, tout ça parce que mince, j'ai décidé de jouer la 8 cordes, quoi. Alors je vais vous montrer quelques petites fonctionnalités sympas de cette guitare. Et puis je vais répondre aussi à quelques questions qu'on m'a posées dans la précédente vidéo. Alors dans un premier temps, un élément qui est vraiment purement esthétique, mais franchement je trouve que ça défonce, c'est la table qui est
en chaîne de tourbière. Et en fait, c'est un bois qui est quasiment fossilisé, c'est-à-dire que c'est des morceaux de bois qu'on a été récupérés au fin fond des marais, et c'est des bois qui sont estimés entre 5 et 7 000 ans d'âge, c'est énorme quoi. Et ils ont cette couleur-là à cœur, hein. C'est-à-dire que ça, c'est la vraie couleur du bois, on peut couper des tranches, c'est pas genre un traitement de surface ou une peinture ou je sais pas quoi, c'est vraiment la couleur du bois, ça, c'est magnifique. Ça aurait été dommage de le foutre dans un poêle à bois quoi. Ensuite, j'avais une demande hyper particulière, et c'est là que la guitare de luthier c'est vraiment bien parce que ça permet d'expérimenter plein de trucs, c'est qu'entre le corps et la table, il y a trois petits aimants qui sont planqués, et ça me permet de poser, hop là, cette petite pièce là, qui est fabriquée avec le bois de la table hein, d'ailleurs. Donc comme ça en plus c'est assez discret quand c'est posé là. Et quand je veux faire ça, voilà, je le décale, et là je viens de bloquer avec un petit patin qui est posé sur cette pièce, j'ai bloqué les deux cordes graves, la corde de fa dièse et la corde de si, ce qui me permet d'utiliser finalement une six cordes standard, on va dire, hein, sans me soucier des bruits et des résonances liés à ces deux cordes-là. Donc c'est pas mal, je trouve, pour jouer sur scène des morceaux qui sont écrits pour une guitare six cordes, sans changer de guitare, quoi. Enfin, un petit délire de Logan, c'est les repères sur le manche. Alors, ils sont présents là, hein. Ils sont faits en résine avec des paillettes mélangées à l'intérieur. Et l'intégralité du corps est traversée de filaments de fibre optique reliés à une LED, et ce qui fait que les repères s'allument dans le noir. Donc je vais essayer de vous montrer ça avec une petite vidéo que je vais faire à côté. Et le bouton pour allumer et éteindre se trouve ici. Là, si j'allume, on verra rien. Là, c'est allumé, mais on voit pas. Je pense que déjà, la pile, elle est un petit peu moisie là depuis le temps. Et puis... c'est pas hyper flashy, voilà, mais c'est un petit truc qui est plutôt cool, et dans le noir, eh ben, ça se voit pas si mal, c'est plutôt sympa. Là, je suis beaucoup éclairé pour la vidéo, donc clairement, on verra rien. Une demande qui m'était chère, c'est le profil du manche, qui est asymétrique. C'est-à-dire que le sommet, la crête, si on veut, du manche, va courir le long du manche, en biais, de cette manière-là, donc là, ça, c'est le sommet, et il va se décaler un petit peu le long du manche, hein, pour aller un petit peu plus, comme ça, vers le registre aigu là, de la gratte. Ce qui permet de pouvoir être toujours dans le confort dès qu'on veut faire des gros riffs dans les graves ici, et quand on veut faire un solo dans les aigus, et bah ça va suivre vraiment le contour, le profil du manche, et là, bah, je suis hyper confort pour pouvoir faire un solo normal, aller tirer des cordes et tout ça. On est un petit peu dans la philosophie des manches Endurneck de chez Strandberg, à part qu'il n'y a pas ce côté hyper anguleux, et puis de toute façon le profil et le décalage n'est pas exactement le même. Mais on est un petit peu dans cette philosophie-là. Alors je vais aussi répondre à quelques questions qu'on m'a posées. L'accordage. Moi je reste en standard, c'est-à-dire que je suis dans un rapport de carte entre toutes les cordes, à part entre sol et si bien sûr, et ce qui fait que j'ai fa dièse, si, mi, la, ré, sol, si et mi. Ce qui me fait... Le fa dièse sonne comme ça, donc c'est bien lourd. Le si, le même que pour une 7 cordes. Hein. Et puis, mi, la, ré, sol, si et mi. La prise jack à l'arrière, située à l'arrière comme ça, là. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, on se dit c'est pas gênant ou quoi. Et bah, en fait, moi je suis ultra fan de ce principe-là. C'est-à-dire que peu importe la position dans laquelle on n'est jamais embêté par la prise jack. C'est-à-dire que quand je suis en position classique, le jack est comme ça, ici, on peut même le tourner un petit peu, voilà, il peut aller un peu à l'arrière comme ça, ou il est donc tombant, il n'y a pas de problème. Quand je suis assis en position standard, pas de problème, il est là. Et alors quand j'ai la sangle, hein, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, et c'est placé comme ça, et des fois même, suivant l'angle, on a l'impression que la guitare, elle n'est même pas branchée, et ouais, voilà, c'est tout, moi ça me fait marrer. Est-ce que c'est facile de passer de 6 à 8 cordes? Ben là, dans ce cas-là, ouais. Parce que j'ai essayé de jouer des chansons en 6 cordes, et bah franchement, ça m'a posé aucun problème. Il m'a fallu quoi? Une petite semaine d'adaptation, je pense, pour passer de 6 à 8. Parce que bon, il y a les 8 cordes, mais il y a aussi le fan fret. Hein, faut se faire un petit peu à tous ces trucs-là. Mais ce qui fait que là, l'adaptation, elle se fait extrêmement bien, c'est le confort de la guitare, clairement. Franchement, pas une seule seconde, je lutte contre l'instrument, contre la guitare, pour pouvoir sortir des trucs. Tout tombe très bien. L'écartement des cordes, il est parfait et tout, enfin voilà, ça a été étudié de toute façon pour moi, et ça a été très bien fait. Donc moi, personnellement, à partir du moment où on a un instrument très confortable, oui, ça aide énormément. 27 frettes, pourquoi pas. Avec une frette 0 et la roue du truss rod qui est présente après la 24e frette. Vu qu'il n'y a pas de micro-manche,
ça permet d'avoir le manche qui court un petit peu plus sur le corps. Donc il y a une plus grande surface de contact entre le corps et le manche. Donc manche plus long, alors pourquoi pas y rajouter un petit peu plus de fret, quoi, vu qu'il n'y avait pas le micro là. Voilà, voilà, ça aide un petit peu au sustain aussi d'avoir plus de contact corps-manche comme ça. Le manche est collé hein, d'ailleurs. Voilà, et ça tient très bien. Bon, en réalité, les petites notes aiguës ici, elles me serviront pas trop. Je crois que c'est Stéphane Forte qui a une guitare signature avec 27 cases. Faudrait que je lui demande ce qu'il en fait exactement. Le prix. Haha, on m'a beaucoup posé la question. Alors, pour vous donner une idée des tarifs, les guitares électriques chez Michel et Logan Berda ont un prix de départ à 2500 euros. Et vous avez déjà des bois d'exception, une électronique et un fretage de haute qualité, des finitions haut de gamme, quoi, hein, y a pas de souci. Hein. Et pour cette guitare précise, il y a quelques éléments qui font monter la note. Les bois utilisés. Pour rappel, on est sur du bois rare, hein, c'est du bois de lutherie, de haute qualité. En plus, il est très figuré, hein, vous voyez le manche ou le corps, c'est merveilleux quoi. Le fait que ça soit une 8 cordes implique d'avoir un bout de bois pour la touche en ébène qui est plus large. Et ça, bah, c'est un coût non négligeable, hein, parce que des beaux bouts de bois d'ébène comme ça, ça vaut un petit peu d'argent. 8 cordes, c'est aussi plus de fret. Et ici, on est sur de la fret gold en alliage de cuivre. Et c'est vraiment de très bonne qualité et ça coûte un peu plus cher. On double quasiment le métrage de fret utilisé hein, pour fretter un instrument pareil. 8 cordes, ça dit aussi 8 mécaniques. Bah, c'est logique, hein, mais ça compte. Après, le manche est fait suivant mes directives. Comme je l'ai expliqué, on est sur un profil asymétrique qui a été étudié pour le confort de mes mains de petite fille, là. Et donc, c'est quelques heures de recherche et développement qui ont été nécessaires. Il y a aussi les repères lumineux par fibre optique, donc la conception, l'usinage et les matériaux supplémentaires pour réaliser tout ça. Pour mon petit délire, les petits aimants qui sont situés sous la plaque avec la petite pièce supplémentaire, bon, ça, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit truc en plus. Enfin, le micro Lundgren. C'est un micro qui est fait à la main en Suède, ça reste, c'est un micro 8 cordes, c'est presque le plus cher du catalogue de chez Lundgren hein, pour un micro fait main boutique, comme on dit. Donc voilà, ça a un coût supplémentaire, je crois qu'on est autour de 200 euros, un petit peu plus le micro. Hein. Ah oui, à cela, faut rajouter aussi la housse, haute qualité, hein, spécialement achetée pour ce format de guitare. Puis évidemment, bah, les heures nécessaires à la conception et à la fabrication. Le savoir-faire, à un moment donné, ça se paye. En bref, pour ce modèle bien moins standard, il faudra compter autour de 4000 euros. Voilà, comme ça, vous avez une idée de la fourchette de tarifs hein, si vous souhaitez vous faire faire un instrument personnalisé. Après, cette guitare, c'est un vrai outil de travail. Hein. C'est loin d'être un caprice hein, avec elle je vais composer pour Skian, je vais composer pour mon projet personnel. Je ferai régulièrement des petites démonstrations de cette guitare, que ce soit sur YouTube, je donnerai les cours à la MAI aussi avec. Hein. Et dans la mesure du possible, si nos plannings collent bien avec, avec Logan et Michel, bah, cette guitare, je leur rendrai pour qu'ils la présentent aussi pendant les salons de lutherie. Donc ça vous permettra, si vous y allez aussi, de pouvoir la voir, discuter avec eux, l'essayer, tout ça. Et il y a des chances même que j'y sois aussi pour faire des petites démonstrations, donc ça sera l'occasion, pareil, de discuter, donc surveillez ça, quoi. Comment ça se passe pour fabriquer une guitare chez Michel et Logan? Déjà, il faut les contacter, gentiment, hein, via leur site internet, guitarberda.com. En ayant une idée un petit peu précise quand même de votre projet. Bon après ils sont là pour répondre à vos questions, hein. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Et moi dans un premier temps, je suis passé à l'atelier pour choisir les bois de la guitare. Donc j'avais vraiment les planches de bois sous la main quoi. Et j'ai validé aussi le multiscale, hein, c'est-à-dire le multidiapason entre la corde aiguë et la corde grave, et le profil du manche. Donc pour ça, il fallait vraiment qu'on soit face à face, qu'on se voit, c'était pas par un échange de messages qu'on aurait pu vraiment faire ça quoi. Ensuite, il a fallu plusieurs semaines et de conception 3D, de nombreux essais, hein, notamment par rapport au montage des cordes en haut du manche, hein, qui a un profil un peu particulier, et aussi par rapport aux mécaniques, parce que c'était une première pour Logan et Michel d'utiliser ces mécaniques-là, et donc il fallait valider la qualité, la fiabilité du produit. On a eu pas mal d'échanges aussi sur tout un tas de détails, la taille du chanfrein, l'espacement des cordes, les repères qui s'allument. Puis après quelques mois, la machine s'est mise en route et puis bah, la fabrication a duré après environ une dizaine de jours. Et après ces 10 jours, je suis venu tester la guitare à l'atelier où on a affiné certains réglages. J'ai testé la guitare pendant quasiment une après-midi non-stop. En fait, Logan me dit que quand il fabrique une guitare, il aime bien la garder une petite semaine au chaud chez lui justement pour affiner un petit peu les réglages, corriger les petits défauts éventuels.
et aussi pour que la guitare se stabilise un petit peu. Et là, on n'a pas pu le faire, mais comme je disais, c'est une guitare dont la maintenance se fait très simplement. Et puis bah j'en suis pas à ma première guitare, donc franchement pour moi les régler c'est pas trop un problème. En conclusion, franchement à part une mécanique qui était pas assez serrée, tout était déjà parfait. Donc voilà, je tiens encore à beaucoup remercier Michel et Logan Berda pour avoir œuvré à la fabrication d'un tel instrument. C'est vraiment un travail exceptionnel les gars. Voilà, pour contacter Michel et Logan, et ben n'hésitez pas à leur envoyer un petit message, comme je dis, sur leur site internet ou aller checker leur Instagram. Facebook, hein, je vous mettrai des liens dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore de votre soutien et je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à écrire tout ça dans les commentaires. Je les lis tous et je répondrai normalement à tout. Hein. Pour des cours de guitare, vous pouvez également me contacter via mon site julienmarzano.com. N'hésitez pas à écouter la musique de Skian et Exanimis, c'est rigolo. Abonnez-vous, la cloche, un like, un commentaire, Instagram, Facebook, TikTok, OnlyFans, je suis présent partout. Et vu que de toute façon je perds 99% de mes spectateurs après 4 minutes de vidéo, eh bien pour toi qui es resté jusqu'au bout, je vais te montrer mon cul.